Aujourd'hui, nous sommes à Portland pour nous venir recevoir 50 compatriotes qui sont dans le pays États-Unis et qui viennent. Et nous connaissons l'État pour en disposition pour capable mettre les gens en quarantaine là où ils et dans des hôtels pour être capable de passer 14 jours. Et pendant que nous avons passé 14 jours là, pour nous faire test pour eux. Donc, si quelqu'un est négatif, pour nous voir à la jeune famille. Et si quelqu'un est positif, pour nous mettre dans des centres d'isolement. Mais dans le convoi, ça, le fait que tu aies une suspicion, des gens qui sont dans le convoi ça, qui ont testé positif déjà, nous avons testé aujourd'hui. Hein? Donc, nous avons fait test pour aujourd'hui hein? Et nous avons testé à la sortie. Donc, si nous testons aujourd'hui, hein, il y a un qui est positif, pour nous retirer parmi ça qui n'est pas positif, là, qui est négatif, là, pour nous capables de mettre dans des centres d'isolement. Donc, c'est ça qui explique la présence, moi, là, comme directeur départemental, et pour le ministère de la Santé publique. Pour nous être capables d'accompagner l'ONM avec l'autre structure dans l'État, pour nous être capables d'accueillir les compatriotes qui sont aux États-Unis.
Notamment, est-ce que nous avons un contrôle, on dit, compatriotes, ça y est, dans quel état que vous sortiez des États-Unis et arrivant en Haïti, est-ce que nous avons entièrement un contrôle dans l'hôtel que vous avez et que vous avez un là-dedans qui est capable de sauver? Et merci pour la question. Nous faisons, dans l'expérience que nous faisons déjà, nous avons un monde qui est sauvé. Mais maintenant, je dis, nous prenons des dispositions avec la police, spécialement Cosimoan. Gagner des policiers qui spécialement attachés à ça. C'est-à-dire que dans l'hôtel côté compatriotes ça va bien, gagner une surveillance tight, gagner une sécurité qui est assurée par Ecosimoan qui pour empêcher que moun ki an dan yo pas sauver et nous connaissons si yo sauver qui ça ça représente comme danger pour santé publique si yo ta positif. Donc jodi an nous prend disposition pour nous empêcher ça arriver. Et gagner des moun ki la dan yo qui commettent des actes dans pays États-Unis. Il a clairement mentionné sous l'islam. Donc, les gens nous mettent dans l'hôtel à part et il y a un traitement à part. Lundi, il y a un traitement à part. Je dis à nous, des CPJ vini. Les gens nous mettent pour faire un point pour eux. Ils prennent une photo pour mettre dans une base de données. Mais tout, il y a un hôtel à part côté que la sécurité est plus élevée puisque c'est des gens qui sont directement dans la prison. Et les gens nous gardent à nous, ils ont tous des uniformes prison sur eux. Donc, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour nous capables non seulement sécuriser eux, mais personnel cap assurer. Et service under hotel, c'est-à-dire que bah au soin et prend soin au tout. Bon, Office national de la migration, définitivement, comme tout pays à Connel, c'est lui qui est responsable de l'accueil des migrants. Nous avons été informés par le ministère des Affaires étrangères et des cultes d'un nombre d'Haïtiens qui devraient arriver normalement sur Haïti. Et là, Office là, il prend toute disposition pour capable accueillir les migrants. Et comme vous capable là, c'est toute batterie ONM non, qui est présente pour nous capables d'accueillir les migrants. Nous faisons ça dans la dignité, nous faisons ça dans la fierté et même que nous recevons, nous sommes très fiers du fait que ONM est réservé à accueillir ça pour nous. Parlant d'accueil, qui encadrement que nous réservons avec Andy déporté ça? Bon, accueil là, comme vous êtes capable, très chaleureux. Et ensuite, nous allons aller dans la quarantaine. Quand nous allons passer 14 jours. Et avec nous, et bien entendu, et que après ça, nous avons gagné pour nous permettre de rentrer à la caillou et les équipes suivies nous ont pris en charge pour capable permettre la réinsertion de Mounsa Refet par l'entremise d'une activité génératrice de revenus dans le pays. Bon, nous avons gagné un total de 50 que nous avons recevoir là. Cependant, la projection a été faite pour, je dirais, 101, mais pendant ma matinée là, ils ont informé nous, c'est 50 cas venus, dont 14 déportés, ça veut dire des criminels, des gens qui étaient enfreint la loi américaine. Et ensuite, nous avons 36 autres, qui sont des gens qui étaient en situation de migration irrégulière, soit qui étaient sortis Chili, Brésil, ou bien encore Mexique, qui avaient essayé de rentrer illégalement sur le territoire américain. Ils ont été interceptés et aujourd'hui, ONM sont recevables. Hôtel pour Mounsayo, c'est sous compte ONM. Alors, nous avons une quarantaine dans l'Igéré exclusivement par le ministère de la Santé publique et de la population. Faut que nous soulignions l'apport vraiment inconditionnel du bureau de la première dame, côté que pour Timounio, pour Famio, première dame envoyée en pile matériel pour eux et nous sommes capables de dire c'est ONM. MSPP et le bureau de la première dame. Qui sont capables de pour nous finir? Pour nous finir, la petite population, l'État haïtien, je dis que le président Jovenel a dirigé, prend décision pour capable agir en amont. Nous ne pouvons pas quitter le problème dans la population. Le président m'a dit pour le problème, c'est l'IGRL pour ses solutions, l'IBAI, population. Ça veut dire qui ça? Nous croyons que après 14 jours, si vous avez qui teste négatif, libre la Kaili et si vous monde qui teste positif n'a continué Kembel en isolement jusqu'à ce que li joigne soin que cas nécessité. Donc n'a invité population toujours laver mais nous n'a invité population pour tenir un lit à distance de 1,50 m jusqu'à 2 m de la personne la parler. N'a conseillé population pour toujours rester la caillou si toutefois yo pas gagné un grand besoin, yo pas un gros côté pour aller. Nous étions là quand nous sommes confinés. La personnalité est en cours, Toto Constant, et il a annoncé que le capable de troupes, est-ce que réellement
et personnel ça, li bel et bien présent et parmi les cinquantaine moun sa yo. Alors m'a dit que ONM accueille immigrants pour l'instant présent nous pour travailler sous nos moun dès que nous gagne liste là, mais c'est équipe suivie qui lui même pral gagner pour travailler de concert avec moun sa yo. C'est là nous pral connaître identité moun yo pi bien, c'est là nous pral connaître qui est-ce qui va. Donc je dis, il est question d'accueillir. L'ONM a accueilli des migrants qui rentrent dans le cadre de travail. Et Mounsayo, je dis à même, il prend en charge par l'État haïtien et il va gagner après 14 jours pour que nous connaissions qui destination n'a pas. Ou bien nous avons la caillou, ou bien nous mettons en isolement. Donc c'est ça que je dis.